Cette chanson qui parle de Cheikh Ahmadou Bamba, qui est un révolutionnaire sénégalais, voilà, et qui a fait une révolution pacifique, donc qui est une figure emblématique du Sénégal, quoi, et de tout Sénégalais, je pense. Et donc j'ai voulu faire une chanson en hommage à lui, quoi. C'est celui qu'on attendait. Wadja Gagna, celui qui a apprêté les gens, celui qui a fait que nous sommes, disons, qui nous a rendu une dignité, en quelque sorte, voilà. شيخنا بامبا في وتوسي يلن تمي سالم الوير راف القراني Les paroles sont tirées d'un grand poète africain qui s'appelle et qui suivait ce cher Ahmadou Bamba et qui écrivait des poèmes pour lui, qui parlait de là où il était passé, ce qu'il avait fait, et qui avait l'habitude comme ça d'écrire des trucs sur lui. Et il s'appelle Cheikh Moussaka. Et ce Cheikh Moussaka, moi quand j'ai lu ce poème pour la première fois, ça m'a beaucoup inspiré, parce que ça m'a un peu appris quelque part la poésie, comment il écrivait, dans sa manière d'écrire, et les rimes qu'il faisait, voilà. Donc ça m'a beaucoup inspiré. Et vu que de mon vrai nom, je m'appelle Baye Moussa Keïta, et lui s'appelait Baye Moussa Ka. Et donc, ce poème-là m'a beaucoup parlé. Puisqu'il disait, oh, Wadi Moussa, Boula Fate Wad Futuba, Monte Fatou, Monte Yalawani. C'est comme s'il me parlait à moi. Donc, il disait, oh, toi, Moussa, n'oublie pas ce que le cheikh, il a fait pour toi. Il t'a rendu en quelque sorte ta dignité. Il est allé combattre pacifiquement et il est revenu avec la victoire. Donc, ce poème il m'a beaucoup parlé, quoi. Donc quand j'ai commencé à composer la chanson avec les mélodies et tout ça, j'ai décidé d'utiliser ce poème de Cheikh Moussaka, voilà. Grand poète qui suivait Cheikh Ahmadou Bamba dans ses pérégrinations. Bala dem ta yalla am ker kerani te shekhuna bamba fi wutusi yonente misal mal wir la bil qurani Gracias.